les petits copains. Coucou les bébés fans. Hello Watana, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Ah, on s'amuse déjà. Alors, bienvenue dans cette vidéo Pet Shop Galaxy. On avait déjà fait une vidéo énigme il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on refait une deuxième vidéo parce que vous avez bien aimé les Pet Shop Galaxy. Que voici. Et là, ça va être un challenge avec des boules de pâte à modeler devant vous. C'est ça la règle du jeu, Calice. En fait, t'as des boules de pâte à modeler. Ouais. Et dedans, t'as des Pet Shop, des petits, des moyens ou des gros. Alors, regardez, parce que là, il y a des petits Pet Shop Galaxy, il y a des moyens Pet Shop, ils sont plutôt là. Il y a des moyens Pet Shop Galaxy et il y a des gros Pet Shop Galaxy. D'accord? Donc, dedans, il y a des Pet Shop. Ouais. Il y en a 0, 1, 2. C'est moi qui les ai cachés, 3. Effectivement. Il y a des boules de pâte à modeler où il n'y a rien, donc ça fait 0 points. Ouais. Et il y en a où il y a un Pet Shop. Donc ça fait 1 point. Il y en a où il y en a 2, ça fait 2 points. Je crois qu'il y en a où il y en a 3, ça fait 3 points. Et il n'y en a pas de 4. Quatre et points. Il y a, je peux, je vais chercher. Ouais, vas-y. C'est celle-là d'ailleurs, il y a cette petite pièce, cette petite chose que j'ai enlevée de la boîte qui manque, qui est dans une des 26 boules de pâte à modeler. Et si vous tombez dessus, Athéna, vous marquez combien de points? 5 points. Bravo Athéna. 5. Oui, ça. 5 points. Voilà. J'ai eu du mal à les cacher. La précédente vidéo, souvenez-vous. Donc cette étoile-là, et un micro Pet Shop, un mini Pet Shop dedans d'ailleurs, est dans une des boules de pâte à modeler. Ça fait 5 points si vous la trouvez. Alors, donc il y a 26 boules, ça fait 13 boules chacune que vous avez tiré chacune votre tour. Et il y a donc entre 25 et 30 points à marquer. Je ne sais plus exactement combien il y a de Pet Shop, par contre, qui sont cachés. Et puis voilà, on fera les totos à la fin. Donc, d'abord, on va mettre de côté les Pet Shop là pour ne pas les confondre, pour bien compter les points. Et avant de commencer, vous avez vu il y a quelques jours sur Instagram, là, vous savez, file en bas, allez vous abonner sur Instagram. Voilà. On est 100 000 abonnés ensemble sur Instagram, ça fait plaisir. Eh bien, il y a quelques jours, vous avez vu un sondage vous demandant qui de Calice ou d'Athéna allait gagner ce challenge Pet Shop Galaxy. Eh bien, parmi ceux qui ont deviné qui va gagner, il y aura un tirage au sort pour vous envoyer eh bien, des Pet Shop Galaxy. Voilà, vous recevrez ça par la poste. Il y aura un gagnant ou une gagnante. Et déjà, ça sera eh bien, parmi ceux ou celles qui auront bien choisi le gagnant. Enfin, la gagnante plutôt. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on commence par la plus jeune ou... Oui. Ça te va, Calice? Ouais, moi, ça me va. Ok. Alors, c'est parti, Athéna, choisis une grosse boule violette. Alors, une grosse boule, c'est pas forcément il y a des gros Pet Shop, hein, c'est... Voilà, j'ai... Eh bien, en tout cas, là, il y en a un gros. Il y a un Pet... Non, donc, ton Pet Shop, tu le mets devant toi. Ça fait un point. Ouais, non, c'est un gros. Le premier point. Puis la pâte à modeler, tu le mets dans son côté aussi. On ne mélange pas les couleurs, c'est possible. Alors, maintenant, c'est au tour de Calice qui choisit une moyenne boule bleue, une petite boule bleue. Ah. Et t'en as un aussi? C'est un poisson. Et t'en as un aussi. On verra aussi les Pet Shop tout à l'heure. Ah, donc ça fait un point. C'est un poisson. Ah oui, c'est le poisson avec la lanterne devant lui. Tu sais la lampe? Oui, poisson. Ensuite, Athéna, deuxième. Tu prends les plus grosses en fait. Oh. Allez, direct, 5 points. Ça fait 6 points pour Athéna. Oh, regardez, elle a l'étoile avec un petit Pet Shop à l'intérieur. Mais ça fait 5 points en tout, hein. Ça fait pas 6. Ça, bien. Oh, il est trop beau. Attends, je vais te montrer. Il a une petite crinière dorée. C'est un petit Ouistiti. Allez, direct. Alors là, de toute façon, Athéna, elle a toujours de la chance. Tu te souviens? Dans les pochettes surprises, elle a dit « Je voudrais ça » et elle tombe dessus. Je ne sais pas comment elle fait. Allez, deuxième boule pour Calice. Attention. Il y en a. Déjà, tu marques au moins un point. Il y en a combien? Il n'y en a qu'un. Bon, ça fait 2 points pour Calice. Rien n'est perdu, hein, si ça veut. Et c'est au tour d'Athéna de choisir une troisième boule surprise. Quelle couleur? Allez, une rose. Ah, il n'y en a pas. Ah, c'est pas. Oui, il n'y en a pas, on dirait. Bon, tu vois, ça, tu peux pas avoir la chance à chaque fois. Ok. Et rouge. Alors, rouge. Et j'adore cette couleur. Pour Calice, attention. Ah, oui. Mais j'ai que les moyens, en fait. Oh, crocodile. Ah, il est trop mignon, le petit crocodile. Yes. Donc, ça fait 3 points à 6. C'est pas mal. Alors, Athéna, choisis sa boule suivante. C'est une orange. Et il n'y a pas. Et il n'y a rien. Ah, elle peut remonter, Calice. Attention, hein, si tu prends une boule avec 3 Pet Shop, tu reviens à égalité. Une blanche, attention. Et là, encore un moyen, mais c'est incroyable. Il est trop beau. Parce qu'il y a plein de petits. Mais c'est une licorne. Il est phosphorescent. C'est une licorne. C'est une licorne phosphorescente dans le noir. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais une petite bêtise. Ah, Athéna a trouvé un. Ça, c'est un. Il n'y en avait qu'un. Ça, c'est un mauve. Ah non, il y en avait deux.
Ah non, pardon, le petit dans l'étoile, pour pas confondre. Donc je disais, la dernière fois j'avais dit une bêtise, il n'y a que celui du milieu qui est phosphorescent, et pas tous les Pet Shop Galaxy. Par contre, il y a différentes tailles. Alors attends, on fait les comptes. On en est où? C'est à qui de choisir? 5, 6, 7. C'est à moi de choisir. C'est ça. Calice, on est d'accord? Calice, à 4. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai 7. J'ai 7 avec un le. C'est à Calice qu'on regarde, c'est surtout des boules de pâte à modeler, si vous comptez. Il y en a 5 là, il y en a 4 ici. C'est moi. Donc c'est au tour de Calice. Oh, mais encore un mec. Encore un. J'ai les moyens. Oh, c'est un castor. Ça fait 5 castors. Trop chaud. 5 points pour Calice. Oh. Ah, oh là. Oh. Elle refait des points là. Elle refait des points, Téna là. 2 points en plus. 5, 6, 7. J'ai 7 avec ça. Ouais, ça fait 9. Ça, j'avais 7. 8, 9. C'est ça. Ah, oh, j'ai 9. 9 à 5. Rien n'est perdu. Une poule verte pour Calice. Oh, oh non. Il n'y a rien. Ça fait mal à Téna. Jaune, une jaune poussin. Un renne. Combien? Un renne. Il y en a 3. Il y en a 2. Il y en a 3. Tu deviens trop de bol. Poisson, hein. Trop fort. Attention, encore un moyen pour Calice. Elle a que des moyens. Si j'ai que des moyens, je double tous mes points. Ah, ça c'est Calice qui fait ses règles. Attention, boule suivante pour Athéna. Ça va vite, ça va vite. Un hein. Moyen. Un oh, moyen. Ça change. Et c'est un phoque? Non, c'est quoi? C'est un phoque. J'ai jamais vu. Trop mignon. On les reverra dans le récapépète tout à l'heure. Pour conclure, trop mignon, le petit phoque Pet Shop Galaxy. Merci au fait à Hasbro de nous avoir envoyé ces Pet Shops. C'est une vidéo sponsorisée par Hasbro, donc merci à eux. Et maintenant à Athéna. Un seul mini. Elle a tous les mini en fait. Deux. Poisson, hein. Alors choisis bien. Le jaune. Oh là 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 là. Oh, petit singe. Ah, Athéna a un moyen. Un seul. C'est ton deuxième moyen quand même. Yep. Attention, jaune poussin pour Calice. Et non, zut. Poisson. Athéna, à toi de jouer. Il reste 6 boules, ce qui fait donc 3 rondes chacune. Attends, t'en as vu? Non. Ah d'accord. Attention, maintenant Calice, sa boule. Ah non, zut. Peut-être dans la prochaine boule verte, hein, peut-être. Et là, un mini pour Athéna. Deux mini pour Athéna. Oh. Il n'y en a pas d'autre? Non. Ah, j'ai cru voir. Coquinelle. Ouah, 2 mini aussi pour Calice. Mm-hmm. Et rien pour Athéna, c'est le dernier, attention. Et tu termines bien, Calice? Tu termines en beauté. Avec un 5 moyen. Alors on fait les toutos. 6, 7, et j'ai perdu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points ou 18 pet-shop? 18 points. Et toi, Calice? 1, 2, 4, 8, 7, 10, 32, 64, 68, 200. 250 points. Alors, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 253. Ouais, c'est ça. Tu vois, je t'aime. Bon, le pire, c'est que ça fait juste la moitié, ça fait 9. Le bluff ainsi, il est où? Et Athéna a marqué 18 points. 18 points à 9. Athéna, tu as gagné. Et tu sais ce que tu as gagné? Non. Le droit de voir la récapépète et après, tu as le droit à des vrais cadeaux. On se retrouve tout de suite maintenant pour la récapépète en quoi? En prout. Oh là. Et voilà, la récapépète de ces Pet Shop Galaxy en commençant par les petits. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà, il y a de l'élan, il y a du poisson, il y a de la tortue, il y a de l'oiseau, il y a de la grenouille, il y a du petit chien, il y a du petit éléphanteau. Voilà. Et derrière, on a les moyens et les grands, c'est comme à l'école. Donc là, c'est pareil, je vous laisse regarder et deviner. Il y a du renard, il y a du crocodile, il y a du poney, on va dire. Il y a du petit chien, là, il y a du petit ouistiti. Il y a du gros chien même. Il y a un petit singe, petit phoque. Et là, attention, regardez à l'autre bout. Hop, ici, il y a le poisson. J'aime beaucoup ce poisson. Oh, ici. Poisson, poisson, comme dirait Calice. Poisson. Alors, vous avez aimé ce challenge? Poisson.
Donc déjà, par rapport au concours, donc tous ceux qui ont dit Athéna, eh bien il y aura un tirage au sort et je vous contacterai en personne sur Instagram pour eh bien vous dire que vous avez gagné et vous envoyer ça par la poste. Maintenant on va passer au cadeau, ok les filles? Oui. C'est très joli ce que vous faites avec la pâte à modeler, les filles. Maintenant, les cadeaux. Alors, on commence par qui? Par Calice. Allez, Calice, je te donne, pour commencer, deux livres que tu pourras lire à Athéna si tu veux, bien sûr, parce que c'est Pet Shop. Mais en tout cas, comme tu aimes bien lire les histoires à Athéna, tu es une grande sœur adorable, bah, tu vas pouvoir lui lire ça si tu veux, comme histoire du soir, si tu as envie. Voilà, ce sont des Little Pet Shop, la soirée pyjama de Roxy. C'est les livres du Dragon d'Or. Et celui-là, il s'appelle Retour à la nature. Magnifique, regardez, avec un pet shop petit chien et pet shop petit oiseau. Oh. Tu préfères le petit chien ou le petit oiseau? Le petit oiseau. Mais c'est un lapin. Je crois pas que ce soit un lapin. Ah, ça se voit. Moi, je crois pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un lapin. Bon, en tout cas, toi, Athéna, tu préfères le petit oiseau et toi, Calice, tu préfères le petit lapin. Deuxième cadeau. Pour Calice, le petit lapin. Mais non, ça c'est alors, un chien. C'est un lapin ou un chien? Ah bah ça c'est un chien. Ah tu vois, et c'est le même. Et toi, Athéna, tu préfères le petit? Le petit oiseau. Que voici, le petit pet shop peluche, oiseau. Et bien sûr, Athéna, toi aussi, tu as le droit à des livres. Voilà, pour toi, tu as gagné, Athéna, ton livre Little Pet Shop, mon livre collector, avec plus de 1600 stickers à collectionner, donc des petits autocollants. Tu vois, que tu peux coller sur ton livre avec des jeux, voilà, des énigmes. Et Athéna, le deuxième livre, Little Pet Shop, mes jeux et coloriage avec plus de 60 stickers, trop mignon à l'intérieur. Alors, est-ce que ça te plaît, ce livre aussi? Oui, les deux. Oui, alors dis-moi, quel Pet Shop tu préfères sur la couverture? Regarde bien. Bon. Ça, c'est quoi? C'est une petite tortue? Ah, je ne l'ai pas, la petite tortue. Qu'est-ce qui te plaît encore comme petit Pet Shop? Regarde derrière. Par exemple, un arc-en-ciel. Le petit chat noir. Eh bien, regarde, bonne pioche. Athéna, tu as aussi ton petit chat Pet Shop en peluche. Tu as gagné deux peluches. Athéna, tu adores les peluches. Tu as un oiseau et tu as un petit chat. Et Calice, tu as un petit lapin. Un petit lapin chien. Bon, en tout cas, vous êtes servis. Si vous aimez les Pet Shop, eh bien, vous avez aimé cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez. Athéna, je crois que tu t'es régalée. Elle adore les Pet Shop. Elle adore les peluches. Combien t'as de peluches? Je crois qu'on dépasse les 120, les 130 maintenant. Hein. Faudrait qu'on refasse les comptes. Et on avait fait une vidéo il y a 2 ans, en montant toutes nos peluches. Là, on a la place. On pourrait le refaire, en remontrant toutes nos peluches. Et on va dormir sur un matelas de peluches. Chiche, on passe 24 heures sur un lit de peluches. Ah oui! Challenge. Allez, on se fait des gros bisous. Bisous, Athéna. Amuse-toi bien avec ta pâte à modeler et tes pet shops. Bisous, Calice. Mouah. T'as aimé le challenge, Calice? Poisson. Poisson. Non, moi je vais me manger un asticot, je suis un petit poisson. Mais c'était pas un poisson. Je suis quoi, moi? C'était un oiseau. Ah oui, mais je mange des asticots, moi. Oh, il est où, mon asticot? Tiens, et moi, je suis un chat. Tu sais ce que ça mange, les chats? Des oiseaux. Exactement. Non, je suis un poisson. Non, non, t'as bien. Tu manges aussi des poissons, hein? Ah bon, bah je vais me barrer, alors. Ah, gnagnagnagnag. Et puis, eh bien, gros bisous et à bientôt sur Studio Bubble. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez bon, et vivez vos asticots. Et non, c'est un asticot. Ah, bon, Calice.